yei malamu na Sara, application ya Afriland First Bank et sali na téléphone. Sali la misolo na yo na tango nyo solingi. Na Sara Banking, ezande bank na chumbo na yo. Tindambongo na yo na bokenge di nyo so ata ufandi nandako. Consulte solde na yo. Lande la ba crédit na yo, salaba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tout na motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na saramani, biso nyonso to koti masolo ya bank na tchombo na pete nyonso. Afrilan First Bank a komise libiso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, sale lambongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya saramani, okoki ko tinda pe gozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko zombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application. Na yo Saraya Bank Afriland na Google Play to App Store pe ki mambango na agence Afriland o ezwami pene pene sika ofandi po ba active le yo Sara. Sara, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipay Binso. Afriland First Bank, The Pack. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine. Mes biens meubles et immeubles. Ma voiture. Mon magasin. Mon chantier. La scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique. Très bien. Motelabino, Balandi, Nyon, Soya, Bosolo, la politique officielle comme programme, Misa Elingala et l'équipe Misa Français na Batebele. Bozola Nabiso, Bisika Bozoami, bon début à week-end, Nabino. Tozole en direct, ndenge toza boye na Bosolo TV, nous sommes en direct na PES TV, tozali en direct canal plus 349 également. Bozola na biso boche TV moko me boza batebele. Tobaki boya égoïsme autour ya Bosolo na politique comme programme. Kabola li solo na oyo ye a yebite opération lopango moko te sans Bosolo. Ndako moko te soki sango azate. Ça dit tikala no TV côté pa bavoisé Tchad. Tcha sango bandide. Sozola na sango. Po awande place Kumba ezali, awande place vérité ezali. Petit message d'introduction comme d'habitude. Mbongo ya l'état ezali mbongo na yote. Biso to lobaka, poye ba mobali ezali sérieux, fwa koma na mbongo. Po mobali nyonso mobola azalaka sérieux, azaka la plupart fidèle avant de la ramoisi azaka pe frère en Christ. Mais ce qu'a commis dans mon monde, c'est politicien congolais. Ce qui toza n'a pas si lelo na mboka na biso. Bato batie ngai na yo population n'a pas si toza nango ezali ba politicien. Tika ko bundisa ndeko no pour rien, ce sont des politiciens. Nyon so responsabilité za ba politicien. Ce qui justice ezali instrumentalisé ba politicien. Ce qui batongi banzela te ba politicien. Ce qui bafuta katata na te ba politicien. Ce qui yo zangi mosala yo jeune, aussi les classes moza chômeur politicien. Ce qui to defaka mapa na mboko po. Ce qui ba kuzwe koma ebele politicien. Bangonde ba décideur. Parce que tozo constater l'absence totale ya l'état depuis ba génération de Mobutu à un certain moment tito zali lelo. L'absence totale ya l'état. L'État zosa la semblant ya ko exister na bisika ebele l'État zalite. Soki toza na nuisance sonore l'État. Soki na nzela. Bomonaka roulage azosenga mbongo na balabala eza po na l'État. Soko moni biloko matina wenze l'État. Donc l'État n'est l'homme principal o azotia biso na situation toza na ngolelo. L'État ezali institution kasi bayeba okambango ba individu baza kokamba bango bien que balobaka les individus pas les institutions reste mais bango ba animateur nango bango nde bazali responsable ya pas surtout en angolais so ki yo jeune espoir ya vie na yo si lesa l'état demo muso azate demo ya peuple congolais c'est l'état qui nous a mis ensemble. Vous avez vu de gens qui sont venus dans ces pays, ils habitaient quelque part locataires sur quoi. A eu chance à commis ministre.
a commis mandataire public qui a l'État. Et il ne peut pas nous expliquer comment Montako Koso mandat qui a 1 million, n'a quoi 500 000, n'a quoi 700 000, n'a quoi 10 millions. Par quelle magie, bateau magique nini, il y a un la pote à son bon one. Bateau modèle wana, yo population. Lokolo identifié bato ba ibaka yo bato ba tio na passe yo kokolela lisusu te il faut pe sa traitement na bato ba ibaka yo bato ba tio na passe par la voie électorale na ba marche o ezali reconnu na article 64 la constitution de mo azawapi bato nyonso ba bomi mboka ba politicien na tangu ya kalabaza bato ba kokovanda na biso te za lokwa bazana maladie ya maba il faut bazana na musika ya société po bango bazaba bandoki bazaba bato ya Bakoko vanda, c'est-à-dire, il faut leur envoyer au diable, ils doivent aller en enfer pour bangonde bazamabi. Les politiciens. Mais curieusement, malgré bazaba miibi, yo zali jeune, ozo benga bango ba pire vient na biso. Vie wana solo la ravien. Vie na vie li solo. Na mona ba angelou me vient na zanje. Jour ni yo ko comprendre que l'avenir de ces pays t'appartient. Mais pour simba yango, nous devons lutter contre les antivaleurs et faire la promotion des vraies valeurs. C'est avec ces paroles que nous introduisons cette émission de ce matin. Je vais vous lire les informations du jour avant de vous présenter les invités. Réaction de la FEC sur la baisse des prix des surgelés. C'est une lutte d'intérêt. Je soutiens totalement les ministres de l'économie, a déclaré le président de la République, Félix Tshisekedi. Présidentiel de 2023, Félix Tshisekedi affirme que sa candidature dépendra d'abord de la volonté de la population. À faire 500 jeeps. Bon, si le président nous dit que ça va défendre la volonté de la population, il faut passer par le référendum. Parce que je ne sais pas, la population pourra s'exprimer comment. Qui est celui ou bien Batounino Torobenga et Toulouwa population. Parce que Batounino Sobandima qui vision en Fachi, automatiquement, le président de la République a reconduit le mandat comme on a en 2020. Vous parlez de quelle population? Je ne sais pas comprendre. S'il y aura des précisions ici, chacun de vous pourra peut-être m'éclairer sur ce point-là. Affaire 500 jeeps. Les députés paieront à l'air frais. Il n'y a pas de crédit à déclarer encore le président de la République. Tshisekedi dit toujours, très sincèrement, je ne connais pas mon salaire. Ça, c'est le président de la République. Les chefs de l'État regagnent Kinshasa après une mission. Azonga ki mokolo ya lobby. Mokondi amboka, azongi azala Kinshasa. Nenge na luka ki il y a deux semaines, aza siko awa. Mais azongi n'a pas si pambate. Moko ya ba conseiller na ye, moko ya ba soda na ye, na état major, maître Tete Kabwa Tigibiso, akoufeli li sou tante na ye, et encore un autre conseiller. Donc, le président a frappé encore une fois, mais na baliwa misatu. Vraiment, sincère condoléance na mokonzi ya mboka, na mwasi na ye, pe na libota na ye mobimba, pe na présidence mobimba, pona malheur oyo, et beti bango. Boyo ka gibino moko ndenge conseiller Bilomba Marcelin, na interview na Pesaki a lobby que il a été empoisonné trois fois ba bétier ba plan il y a ba mercure il y a ba plomb nyo ba bétier. Donc quand on parlait makambo ya poison la présidence, les autres pensaient que c'était la COVID, mais thèse sur base de ce que lui a dit, poison est tamboli. Mais liboso za la ki ote na air ya caméra ba tractation moko to bazo kango te bazo poudrier kuna caméra presque une année depuis qu'il est en prison. Bazo tina wa parti ya musika na ebite. Bato baza wana bazali tout ça. Na ebite, mais néanmoins, tes à poison. Et comme il confirmé, en quoi ba dire ya, Marcelin Bilomba. Bao bazo koufa na COVID pe bazali. Mais ya poison pe bazali. La Cour constitutionnelle déclare conforme à la Constitution la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Béni état de siège. Les FARDC neutralisent 5 rebelles à def auteur des massacres à Ouagoma. RDC est en zone neutralisée car à 5, alors que Rebelle a boumi plus de 10 dans une attaque. Je ne comprends rien. Ngana Luba qui en clair, FRDC. Bokendaka ko pakola ma fouta et pas ya ba rebelle. Bokendaka kuna te popo kanga ba photo na bango. Bino boza ba journaliste et FRDC. Bino boye binde ko bouma. Ko défendre. Ko bouma na ndenga ko bouma population. Mais ko bouma munguna pour na ko bate la mboka. Mais nazo comprendre te état de siège et zalibre. Nous avons vu une photo, nous avons vu une vidéo. Mais le rebelle qui a tué, le rebelle qui a massacré, qui a fait manquer la paix à cette population. Boza en face, nous avons vu le capturer pour qu'il n'y ait wapi. Pour qu'il n'y ait wapi. Rebelle, ou alors, il y a une population, ou alors, il y a un état de droit. Et il y a un droit de l'homme. Maintenant que vous devez réagir, vous avez une photo.
Bolingi bozo ba rebelle on a pour le banin bosa la réinsertion la carte armée lobby bala tali susu et puis baba mais écoutez pourquoi on doit encore récupérer ces gens là pour être avec nous? Pourquoi Félix Tshisekedi n'est pas encore satisfait du travail de la justice? C'est que on peut croire ici que justice oyo babanda koloba à double vitesse. Félix appuie cette hypothèse, je ne sais pas, Maël et Goubmara à la plateau. Kamere Vital Kamere. Vital Kamere. Batwa INC babanda kobenga monsieur innocent. Na mona ki INC awa tant bazo beta Kamere 13 ans bagangi monsieur innocent. Ouais, malgré monsieur innocent 13 ans. Abeti 13 ans. Mais ici le chef de l'État répondit encore une fois à la question à Kamere. J'avais dit à mon ami, c'est mon collaborateur, quand il est venu me voir, je lui ai posé la question, est-ce que vous avez l'air de reprocher Kamere à l'obi, na ibate, na zan l'air de dossier Zabien. Le président confiant na justice naï. Le président c'est qu'il n'est pas confiance. Mais Kamere a kenda bakanga Kamere. Une année après condamnation, pourquoi conditionner des soins à Tika la Katamakam? Mais na stade où le président a zongi poa ibisabino boy. Monsieur Kamere, c'est un homme sérieux. Monsieur Kamere, c'est un homme correct. C'est-à-dire, Kamere bénéficie maintenant de trois critères. Il est sérieux, il est correct, en croire le président, il est innocent selon l'INC. Donc un homme correct, un homme sérieux, automatiquement il est innocent. Est-ce qu'un homme correct, innocent et sérieux? Bah, quand il y a peine à prison, ce qu'il a fauté, il a évité. Est-ce que Mikolo Ekoya, l'État Zali, Nanzela, peut-être un jour, il y a Rosenga, pardon à Kamere, pour la moni Bagbo, finalement, Bagbo est sorti. Namona Bemba, 10 ans, après 10 ans, CP a Senga, pardon à Likambouane. Israël, Ozo, l'obé la Kamere, monsieur, c'est le président qui a dit. Il n'y a personne qui a parlé de Kamere plus que le président. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui a parlé de Kamere plus que le président. Magistrat suprême de la justice. Il vous dit que le gars ici, il est sérieux. Le président, ça l'a mis sur le roi Ayote. Le président a dit, Nathalie Nakati, il y a ça sérieux. Azap est correct. Et il aura un rôle à jouer dans ce pays. Kamere aura encore un rôle. Quel rôle? Quel rôle? Est-ce que ça, esprit à Nairobi, t'es encore à Nairobi, et qu'on a 2028? Nairobi, on termine par cette information. Lubumbashi, un centre de prise en charge des maladies COVID-19 inauguré aux cliniques universitaires. On a trois sujets à retenir aujourd'hui. Vous pouvez l'écrire. Les discours du chef de l'État dans son entièreté. On va prendre les points saillants. On va récupérer bilan séjour de Félix Tshisekedi, Tokouma Mbalamoko et la loi organique. Hein, on ne peut pas s'en passer. Quatre invités ce matin pour réfléchir. Quatre Isaïa Mafate, quatre invités. Oh, quatre Mafate, quatre invités. Moudjahidine. Du peuple. Nikofaï. C'est lui qui a dit des choses. Qui sont en train de se concrétiser. Très bien. Bonjour, mon frère. Bonjour, Stémy. J'étais raté la nuit, mais obligé. Merci quand même pour cette flexibilité. Très tôt matin, à 5 heures, tu as déjà réagi. Oui, c'est ça, être homme de parole. Où est parti, où est passé Tshibala? Bon, Tshibala, à ce que je sache. Bonsoir, Naïné. Tshibala, au Ghanaïvi Zakeno, le premier ministre Oyo, durant son règne, a financé les élections. Oyo Batebele, Babandaki Kokouarte, malgré le Kouta, il y a transition à 6 mois sans Kabila, malgré le discours, il y a le Kouta, il y a machine à voler, machine à tricher. Néanmoins, il y a eu des élections sous Kabila. On a financé les élections sur fonds propres, mais le problème, c'est que non. Azalapé a respecté Rabat engagement naïe. Nani Tshibala. Tshibala. Je suis correct, je suis orthodoxe. Quand il est venu, Azaki na mission principale, mon corps, il y a qu'au financer l'élection. Ce qui n'a pas été dit, c'est mettre pour me connaître en gros. Sous Tshibala et Kabila, on a eu des élections financées sur fonds propres, malgré le Kouta. Maman Chantal, administratrice à Zando, à Koufa, sous le côté à Batou. Pour les gens qui ont appuyé, pour l'élo, il juste de patrimoine congolais. Mais Tshibala, le problème est que non, il faut qu'on aura un engagement. Il n'est pas honnête.
J'ai dit ceci vis-à-vis de moi, il n'a pas honoré ses engagements. Je l'ai dit. Tu l'as accompagné, mais il ne t'a pas payé. Il m'a cherché, et puis j'ai fait mes papiers, il a dû me poser mes factures qu'il n'a jamais honorées. Donc tu vas être un insolvable. J'ai dit, moi, je ne verrai pas qu'on le insolvable, mais j'ai dit, il ne respecte pas ses engagements. J'ai été bien baisé par lui. Très bien, merci beaucoup. Alors, on va récupérer. Maître Pati Katanga. Ah, Moutouranga, Mikolebele. Mikolebele. Maï Maï. Hein? Boni. Très bien. Très bien. Mais terme, c'est excellent. J'étais bien baisé. On peut prendre ça au second degré. Hein? Donc, na Congo, ton dibi, ma baba LGBTT. Na Congo, nous restons encore attachés à ma valeur et à mon centre de la mission. Très bien. Ma baba LGBT. Voilà. Oui, merci beaucoup. Vous allez sur le lot. Oui, je suis toujours la présidence. Vidal Kamerhe aussi a été prouvé parce qu'il est l'un des meilleurs et alliés de tous les jours. Moinze Kongolo a rendu l'âme. Moinze Kongolo a été ici ministre de la Justice. Bayakina Mouze. Et puis, dès que Vidal Kamerhe a créé l'UNC, Moinze Kongolo était le premier des alliés. Père son âme, vive condoléances à sa famille. Très bien, merci. Alors, Maître Patrick Boni. Tu sais que je te confonds avec Maître Patrick qui est passé l'autre fois ici. Sango, je suis Maître Eric. Maître Eric. J'étais confondu avec Maître Patrick qui était hier ici. Donc ne maintenez pas rigueur avant d'être à place au Vandakio. Maître Eric, Mbotenayo. Tokutani Soulelo, Mikolebele, Ozala qui a arrêté une fois. Ozala qui a arrêté pour juste quelques 48 heures. Et Ndenge Mokonzambo Kalobela qui m'a envoyé justice qui est à ça dessus, à ça satisfait. Nazala qui peut Moko et victime à Babilo Corona. Mais Dieu voulant, Nazali Banda. Moko la Lilo Toko Sana a une mission à dire. Et ce qui te coule pour revenir, Nayango, comme il a juste coupé ça, moi détail Moké. On a collé ça que lorsqu'on est plaignant dans une affaire. Et que aux alliés, ce qu'on appelle aussi partenaire et à justice. Ok, il faut se plaindre d'un partenaire, na yo. Et que qu'on n'est pas un partenaire, na yo, va transformer yo plaignant en accusé. Et pour qu'à la fin, des comptes ou au finish, va transformer en criminel qu'on doit juger en procédure de flagrance. Je pense que il y a à boire et à manger encore dans ma campagne de justice, d'où je soutiens totalement. Oui, au président de la République, à Outikoloba, dans le discours, il faut encore un nettoyage. Très bien. Alors, Ndeko Marquens Kabeya, Boni, analyste politique pour la première fois, vous participez à vos solos. Merci beaucoup, madame Minisaro. Merci pour l'invitation au PS Bissot. Honoré Bissot, tu es à pour la couper sa voix à Bissot. Et la peuple au hasard pour la Nabissot pour être commenté. Événement où ils ont les canabos Nabissot. Très bien. Merci beaucoup pour votre invitation. Alors, Nico Faye, on va commencer avec toi. Nous allons prendre discours ya chef de l'État. Mokonzi Mboka a sali discours naïe. Toujours récupérer ce discours ya chef de l'État. Toujours qu'il n'y a mot à mot. Moudjahidin, je vous donne deux points. Si vous avez au moins 3 minutes, vous avez les sous des points. S'il vous plaît, avec les téléphones, il faut épargner le téléphone. S'il vous plaît, on n'a pas besoin d'avoir tous ces bruits. Ce n'est pas intéressant. Mettez ça de côté. Le chef de l'État dit ceci. Pendant la période de la campagne, c'était d'ailleurs la question que notre confrère Christian Lusakwe nous a posée. Pour le bar en abisso, tant que vous avez un salaire, un collaborateur, mais mon Kondiambo Kalobi, très sincèrement ici, je ne connais pas mon salaire. Vous faites quelle analyse sur ça? Deuxième, le chef de l'État dit ceci. La FEC, na mangambo bazo tchaya ba priwa na mon Kondiambo bazo soutenir ministre de l'économie na démarche naï. Mais s'il s'avère que et le rôle la FEC, CDT, malgré mon Kondiambo,
azo soutenir ministre économie na démarche ya kokitsa biloko po peuple a sepela scénario nini to kokoma nango affaire 500 jeep j'en ajoute tout. Après avoir écouté le président de la République, ma version est comme il y a Mbosso. Oui, Salama qui est en Katimini, pour Mbosso, c'est officiel, c'est en Katimini. Mais bureau et assemblée nationale. Par l'entreprise à rapporteur, Salama qui peut point de presse dans l'Alexa qui est en. Et quelques députés aussi ont réagi dans le Nénabang. Mais en Mokondia Mboka, Oyazali, la première voix de tout le Congolais. Il dit que ba député ba ko fouta ba djipo wana bango moko loko ya nyongo kuna ya kokabela mutu ya do ezate. Donc ba pesi yo me ko fouta yango parce que ba ko kata. Trois éléments d'abord ko kene na ba français belete. Beta biloko na direction ba pesi. Ba les ali fongola nzela. Merci beaucoup. 4 minutes. Merci beaucoup Ndeko. Mais na obandana na rappel national. Ba Congolais ba yeba ke etikali 502 jours pour na ba mandat ici là. C'est-à-dire, il reste 502 jours pour la fin de ces mandats. C'est-à-dire, 5 mandats du président de la République. 902 ou bien 500. 902 jours. Pour na ba mandat ici là. Mandat, il y a président de la République, il y a parlement, des chambres, il y a ba gouverneur de province, na ba assemblée provinciale, Union Soyako. Toali na 487 jours banda baloba na biso ke COVID et kota officiellement na Congo. Et 68 jours banda de Michel a koma mokonzi ya gouvernement na Congo Kinshasa. Tolibi 68 jours. Mais pour nani le rappel national oyo. Pour na ba oyo bali ko kamba. Batia na mutu na bango ke eyali mandat eza carrière T. Mais mutu na nange eyali. Na budget 2019. Na budget 2020. Na 2021, ba gérant ya Congo, ba bombe de Jiseni Mixolo Boni, les élections coûtent cher, plus ou moins 1 milliard de dollars américains. Mais toi, déjà, na 3 ans, toi, li comme on a clarté. Kaka pendant rubrique à COVID pour ni, parce que pendant cette période de COVID, na Afrique Awa, toi, déjà, na 9 pays, où ba suba, ça, c'est déjà ba élection présidentielle, na législative peut séparer. C'est le cas de la Côte d'Ivoire. C'est le cas aussi du Niger. Alors, yangon à ma qualité de l'œil de l'œil, n'a limité que non, COVID est comme un prétexte ou bien un alibi pour pas le bac que non, de quoi qu'il soit à l'élection T, Niger a cette élection, Centrafrique a cette élection, Brazzaville a cette élection, Burkina Faso a cette élection, Ghana a cette élection, Côte d'Ivoire a cette élection, a fortiori Bissau. N'a pas eu de faire le Kambama, ou on a pour ça, à l'oukaka déjà, mais solo. Au foot, à témoin, parce que témoin n'a pas eu comme le PV. Na ligi babo misu population na discours akeno on a volé ma victoire bola la pongi ya ba bébé vérité des urnes faire ba singio pref comme ko le ba centre à Carter église catholique ambongo alobaki mosengo alobi l'arme du procès c'est la preuve qui peut amener la preuve c'est le témoin mais qui peut aligner les témoins candidat indépendant parti politique et les mouvements politiques très bien à bon entendeur salut toi Toyo, oti koyoka makambo oyo ya discours. D'abord, bandi makambo ya salaire. Ke salaire. Antoine Alobi, ayepaka salaire na ete. Yali koka misanga ite. Mene mwe mutuna o, toko ko mutuna biso nyo sosa genon. Soki ayepaka salaire na ete. Me avivaga ndenge nini. Akabaka badi. Ba mutuko akabila kabatu. Nambongo nini. Après ça, qui Jonas Mukamba était le Jeep. Et a dit Namusolonini. Or, nous savons que l'homme vit de son salaire. Le travail a un caractère humanitaire. Le salaire a un caractère alimentaire. Tout ce qu'il fait comme dépense, à ça la kaba dépense, c'est-à-dire, lui ne vit que naba dépassement budgétaire. Ce qui nous doit faire un salaire, c'est soit Aïba Kambongo. Soit escroc à la Tumbongo, soit il a la fraude, parce que ça ne peut pas se comprendre que Moutou Aïeba salaire n'a été. Ça ne peut pas se comprendre. C'est dangereux dans un état. Mais ça ne me surprend pas parce que je connais mes joueurs et leurs jeux. Si on vous dit dans un état, si on est dans un état, malheureusement, nous ne sommes pas dans un état,
que avec la main sur mon cœur, sincèrement, en tout cas, ma Congolais, en tout cas, réfléchissez encore, si on ne connaît pas son salaire, mais on vit comment? C'est-à-dire, l'on ne vit que, dépassement budgétaire, mettez-vous en tête que sur le premier régime, Banda Congo et Salema, dépassement budgétaire, et comment est-ce que principe? Est-ce que ici, on a le bénin à salaire. Tu connaissais Kabila a touché combien? La liste civile, beaucoup de présidents en ont fait mystère. Très bien. Mais néanmoins, cela n'est pas synonyme que Yemoko Ayebaka. Les bénéficiaires ignorent. Ayebaka, non. On sait très bien que non. Batwa Senga ka liste civile à présent. Mais dès lors qu'on vous pose la question, soit le bac que non, n'a qu'au le bac. Mais quand tu as dit que non, n'a yé bakangote, ignorance totale sur toute la ligne. Mais l'on vit comment? Les dépenses qu'on a gagnées. C'est-à-dire, alors, dépassement, on vit que des dépassements. Toi, tu as fait la lutte contre la pauvreté. N'a mon à quoi, aux autres tambola, aux autres lakissa, l'autre suémati, tout ça, yom togena wenzeming, pour la recherche. Oui. J'étais vu, les kababa wenzo, batu le loba komia, kokumisa, exemple, salana, ça, je dois le dire, yon doye baka tomate, linzanzala, ton so. Donc, n'a évité vie à célibat, ni yozo mené, alors que yoza censé à ozanana, maman la ban. Alors, togena makambouana, yamakambouya batalo, le lomo konzamboka, à travers le ministre de l'économie, bako tina sentiment yako kiti sabiloko. Pour payer sa bateau, il y a le bilan. C'est la balia. Social, la bateau est bonga. Carton à socio, comme on a dit, dollars, bana balia. Mais, fait qu'à télé, mais il y a un mot. Togozala, un scénario, ni na mokonzabo, qui a appuyé pe finance. Au cas où ma kamboué baby, togozala, un scénario, ni. Oui, tout à fait. À ma qualité de procureur général près le peuple, na kolinga ke biloko ekita. Mais il faut kolinga pe que. Ce qui te lobby, toi, n'a l'état des droits. État des droits, il y a un colobanin. Ils ont été que nous, quand on a l'état. To kanga kabatu, bi kanga kanga. To intimida kabatu. L'état des droits est non. L'état pe azaba no droit na ye, pe na ba obligation. To ali na système économique nini. To na système économique capitaliste. Le capitalisme dans le monde, le pays par excellence, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais capitalisme, il y a deux caractéristiques à minine. La libre concurrence et la non-intervention de l'État. Ma caractéristique mi balay à capitalisme. Mais ah ouais pas n'abuse au milieu qu'on abuse au début pour n'aba opérateur économique à fixer bas prix il faut opérateur économique à comme le ministre à l'intérieur et à économie moyennant un délai si je ne me trompe pas c'est 6 mois ministre à économie a une obligation il y a correspondre soit en demi griwana ou soit en demi en côté mais c'est supposé que ce qui est opérateur économique a communiqué ministre à économie dans le de délai ce que ministre a répondre était c'est-à-dire, le prix fixé par l'opérateur économique entre en vigueur. Dans le cas d'espèce, il y a eu des négociations qui ont été amorcées. Et Bandaka. Mais c'est pour eux qu'à la fin, la FEC n'a pas a refusé d'apposer la signature. La question c'est qu'il faut se poser. Pourquoi la FEC a refusé d'apposer la signature? Est-ce que ça a été bien fait? Ça a été fait dans le sens que non, et satisfaire Moutounyonso. Il y a eu une imposition. Oui, il y a eu une imposition. Et surtout parce qu'ici, quelle est la tendance de l'État congolais s'il existe? C'est de faire victimiser les autres. Pour que l'opinion en parle que non, c'est X qui a refusé. Or, en soi, parfois, ça a été mal fait. On dit la marge bénéficiaire ne peut pas aller au-delà de 30%. Est-ce que ça a été respecté? Si ça a été respecté, en ce moment, la FEC serait responsable. Mais si la marge bénéficiaire et qu'on n'a pas tenu compte, il y a une rubrique sur la dépense. Vous voyez que non, j'ai été saisi par la bande de Ndou. Nous avons la bande de Ndou, au moins 9 barrières. Camion, il faut au moins 100 000 francs. Je suis informé, j'avais fait des enquêtes sur ça. 100 000 francs par barrière. On termine avec la bande. Est-ce qu'on a tenu compte? Parce que très bien. Commerçant, elle est philanthropité. Alors. Je suis pour qu'il y ait une baisse des prix. Mais à l'avenir, il y a Mibeko et qu'on respecte aussi la marge bénéficiaire. L'affaire Jeep. Ah, l'affaire Jeep. Il y a lui qui a été. Dans le régime, il y a beaucoup de gens. Moi, je suis en Parlement, il y a l'Assemblée nationale. Alors, il y a un député qui a honoré l'engagement pour le bateau Babundaki. Plus que Tshibala. Ce sont les propos. Il a honoré plus que Tshibala. Plus que Tshibala.
rapporteur a une version de l'autre, bazo qui n'a pas eu un fonctionnement. C'est-à-dire, herbe infirmier n'a pas eu un foutamate, il y a un liema, il y a un hôpital, il y a un grève. Pour 160 000 francs congolais. Mais n'a pas eu un fonctionnement, c'est-à-dire, ensemble, il y a 27 millions de réserves pour n'a pas eu un plaisir. Il y a un député qui a déjà plus ou moins 5 000 dollars. Mais infirmier a 160 000 à lui qu'on soit voté. Tu es qui paye député ordinaire Eliezer a eu une version de l'égalité, toujours qui engagement. Engagement, oui. Ngali tata nga koufa kaza, koufi sénateur 1 plus 4. Herba extra et yaka. Et yali, on crée d'abord une commission à niveau assemblée. Commission, on a yali qu'on recevoir, bat kondima, offre ou anan. C'est-à-dire, les souscriptions. Député ou yopite, nandimi offre ou anan, comme ça il s'engage. On va auprès d'une banque. Balo banabiso. Banque ni ne pèse qui crédit. Très bien. Après, vaneur que Antoine Yemoko, aye kolobakeno, et yali kadote, et yali pe crédité, mene yamwe, et za mécanisme moko est salem. Na mécanisme na, nambo wale outi wapi. Très bien. Négopati. Le même timing, vous avez trois questions à réagir autour. Il y a discours et à chef de l'État. To décortiquer l'or à libosu yali, fachi à lobby ango clair. Makambo candidat pendant campagne. Sérieux. Il a parlé sur Makambu ya Mbongo, président de salaire n'a été. Alors que, bah, rappelé même que na campagne, le bagi salaire n'a yo, salaire à ma collaborateur et kouéban. Mais mon konzabo, le bagi salaire réalité. Est-ce que zapé, n'a na zo mon angon angle moko diplomatique, mon konzabo ya peut-être, ko sa la passi na bateau et bazo landaye nandako, parce que, ce qui moi si andunda zali informé, que mon Konzambo aura par exemple 200 000 dollars, par exemple, et qu'il y a un vivre dans moi 160 000 francs, et car on a eu ce créé à moi, ma cambouille. D'abord, il y a un député qui a déjà passé. Kabila a payé salaire, il y a un salaire, il y a un salaire, tout ça, la rapport n'a pas tout ça. Je pense que dans le monde, il y a un salaire, moins que moi, informé, quel est ce président qui a déjà donné lui-même son salaire, je ne sais pas. Salaire est coquille, mais il y a un salaire, il y a un salaire, mais il faut selon, il fallait, par exemple, que. Salaire est bien, mais la roulobangote. Bientôt sauter le courant. Mais quand le bac est bien, qu'est-ce que tu en penses? Réaction à yo. Yabi balé, il y a un prix. Scénario, il y a un prix. Il y a un prix. Il y a un jeep. Ok. Merci, Mingina. Question à yo. Mais que le président de la République, il y a un salaire, n'a été, il faut te rappeler, président de la République, la campagne électorale. Le président de la République, pendant la campagne électorale, a choisi engagement. Et l'engagement était clair. Moi, je suis de son camp. Nasa allié de l'UNC, je suis Maïma, allié de l'UNC, donc je suis de l'Union Sacrée. Mais président, il doit ouvrir l'œil et le bon et à entendre bah, son dissonant dans Katakanaï. C'est lorsque la Royo Kabato et Bajoïb sait que la ligne n'est pas bonne, monsieur le président, qu'il faut changer ligne pour que la face à peuple dans le sens du bien-être du peuple congolais. Le président de la République avait pris l'engagement dans la campagne électorale que salaire n'a yé et c'est une condition. À rendre un mot public parce que le fait de rendre salaire et à président des pays publics participe à la les lots à la gouvernance moderne. Mais l'homme d'un gros vivre été, bah il y a des ressources là été. Qu'est-ce que le président de la République déclare au fisc? Parce que le salaire est imposé. Parce que le salaire est imposé. Mais sur quoi il y a des salaires là été? Donc le président de la République ne paye pas d'impôts parce qu'il y a des salaires là été. Tout le monde a eu une fois il y a longtemps. Il y a longtemps, on a dit qu'il y a une mascarade, Kabila Kendara, parce qu'il va foutre un impôt dans la DGI, il y a des années de cela. Peut-être que Bobosani a foutre un impôt. L'impôt est calculé en fonction des ressources. Ce qui est président de la République, a yébi salaire n'a été, mais c'est très grave. Donc le président de la République a yébi de combien à foutre un impôt, alors que le salaire au Congo est imposé. Mais tout le monde a un fonctionnaire, tout le monde a un bundaka. Il perd. Il perd. 15%. C'est quoi le président de la République, il perd 15% sur quoi? État des droits. Donc ça, ça pose un peu un problème parce que Toyebi Kazan a dotation. Mais ça, c'est dans le cadre de son travail. Il ne faut pas confondre les choses. Constitution, et puis si le président de la République a une dotation, comme Tchibala. Azali peut la dotation en tant que premier ministre, mais souvent à Congo, on a tendance à confondre cette dotation. Et comment le rôle à Mbongo, animateur de l'institution.
Les gens qui travaillaient en primature, hein, salaire, j'ai suivi une histoire comme ça. Chibala est le seul qui a eu plus de 800 conseillers. C'est proche conseiller qui a été reporté. Le dossier a été fait à la Cour constitutionnelle. Donc, le président de la République ne peut pas dire à la face du monde, devant la population, qu'il y a eu salaire. Ça induit un certain nombre d'infractions. Ça veut dire qu'on va imposer. Ça veut dire que, comment on appelle ça, cadeau et apesti. Et papa, et puis d'autres cadeaux, et outils dans la rubrique Nini. Et outils dans la rubrique Nini, c'est très, très grave. Je pense que le président de la République, il faut se raviver très vite. Pour payer par Congolais une. Alors, chacun de Congolais dira qu'il paye salaire n'a été. Donc, par conséquent, tu as fait ta soupe. Il n'y aura plus de père. Très bien. Bon. Alors, deuxième point. Likambwa Fek. Likambwa Fek, je pense que n'aille président, la... enfin, président de la République, n'a gouvernement, n'a Fek, Baronis se base dans le fond. Baronis se base dans le fond. Le gouvernement doit imprimer une politique économique qui va faire que Tokoba n'a prospérité. Rôle du gouvernement, ce n'est pas d'administrer le prix sur le marché. Parce que tout ça, la choix, bisous. Tout ça, la choix, il y a l'économie libérale. Et dans l'économie libérale, agrégat, en gros, où est signé l'économie libérale. C'est la libre concurrence du marché. La loi, et ami Balé, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si vous avez produit, ce qu'on doit produire, denrées alimentaires suffisamment pour que les Congolais soient servis. Eh bien, sur les marchés, automatiquement, sur les marchés, parce que Foufou est Zaming, parce que Massango est Zaming, parce que Makal est Zaming, parce que l'Osso est Zaming, parce qu'en provision, le Congo a produit et est même capable d'exporter les sous. Mais les consommateurs que nous sommes, tant que sur les marchés, libre concurrence, voilà. Maman, on saura que sac d'ailleurs à Foufou. 29 000. Il y a 25 kilos. Maman, on saura que 25. Maman, on saura 23. Maman, nous sommes à 22. Et là, c'est les consommateurs qui est maître à comprendre le meilleur prix sur les marchés parce que c'est à provision. À contrepartie, ce qui est aux Angibiloko, te produire, ce qui est aux Angibiloko, il y a relié sur les marchés parce que le Congo ne produit rien. Eh bien, c'est la disette. Tu as compté la passe, tu as commis un marché, maman, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que. Donc, conséquence, Aoucha pris au Yundengia. Donc, pour les gouvernements, il faut encourager la production locale. Le Congo doit produire pour avoir suffisamment de biloko yakolia sur les marchés, afin que biloko équitable par la loi de l'offre et de la demande. Très bien. Bolingi, bo distraire Batou alors que tu as un dossier clairement dans ma carte Visa. Ah, nous amènerons. Le temps. Batou, ba roupé, ça a raison. Quand j'ai parlé des cartes Visa, les gens ont critiqué, ils m'ont taxé de tout. Mais Dieu ne manque pas de témoins. Encore une fois, le président donne la vie dans cette enquête que j'avais faite. Existence, il y a ma carte Visa. Dans le bar, la bino semaine, oui, où tu es les cas. Bolingo, ma mission, elle est comme moi, Jeep. Et ça bien, ma comme moi, Jeep. Mais carte crédit, carte Visa, parce que millions, il y a ébélé plus de 100 millions de dollars, il y a bateau, il y a coopérant, miibi, ba pomba, un groupe d'individus, ba benda ya, ba bénéficiaire nango, ba légaliser cop na bango. Le chef est revenu sur ça. Quand toi tu dors, des fois moi j'entre dans le sommeil du chef de l'État. Je comprends ce que le chef voulait dire. Je peux encore voyager, je pars chez Kabila, j'entre dans son corps. Je fais sortir la pensée de Kabila. Tu dors encore, j'entre chez Moïse Katumbi. J'entre quand Moïse dort là vers 4 heures, je fais sortir ce que Katumbi voulait dire. J'entre chez Bemba, chez Fayoul. J'entre chez les politiques dans leur sommeil. J'entre chez l'IGF quand il rêve là, quand il dort. Je fais sortir des choses. Le plus grand péché que j'ai, c'est ça le plus grand péché. J'ai dit des choses que vous ne comprenez pas dans un premier temps. Mais plus tard, quand vous comprenez que j'ai raison, vous n'avez pas le courage de revenir pour me dire que tu avais raison. Makambo carte et crédit. Le chef est revenu sur ça.
Mais parlons de cette affaire de 500 G. Pour terminer, on va prendre un élément au chef à l'Obaki et puis Ndeko, Eric Azozoa et puis Tokenandekoa avant de continuer. Mais d'abord, le Kambaba Jeep. Mais cette affaire est mal vécue. Basan explication. T'es sur le plan éthique, sur le plan moral. Basan explication, on va couper sa peuple. Était que 25 millions de dollars, 27 encore. Millions. Millions de dollars. Quelque part, n'ayez pas ceux qui wapi, ceux qui crédit dans une banque. Quelle banque? Ceux qui va payer en gros, le président de la République selon l'audio et se retrouver que les députés qui sont déjà les mieux lotis de la République, qui sont déjà les mieux payés de la République. Imaginez les militaires de Beni. Imaginez, monsieur le président de la République, les militaires de Beni qui sort nakati amaki kuna kodako terroriser ba ADF. Il arrive à Beniville, monsieur le président de la République, il met sa télévision et il regarde Kinshasa par la RTNC. Il trouve qu'il y en a Kinshasa, Bazopé, ça va députer une Jeep de 50 000 dollars. 52 000 dollars. Et que y ait équipement naïe, à outil qu'on soit risque pour le Congo, pour l'existence, pour notre existence en tant que nation. Et que salaire naïe, il a du mal à le percevoir. Et sur Azu Yango, c'est un salaire de misère. Armes naïe, munitions, batinde la kien à Kinshasa, munitions et cocaïne armée. Donc, à Keïkou Nazuba risque, tenu naïe, tout le bâté, monsieur le président de la République. Est-ce que ce militaire-là sera motivé? Très bien. C'est ça la question. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le moment est mal choisi. S'il vous plaît. Ndeko Eric. Vous avez le temps pour ces trois questions. Ndeko Israël, merci beaucoup. Encore Mbalaya, Mi Balé, Nalekana, Plateau Nayo. Moutouna Yaliboso, Ezali beaucoup plus sur la question. Il y a fait, il y a ma carte visa. Il y a une carte visa. Et ça, mais ça, tu non, carte voilà visa. Carte visa. Oui. Voilà, il y a un fake. Il y a fake. Pour le moment, prix. Oui. Là, il y a un gym. Il y a un gym, il y a un salaire. Il y a un salaire, livre civil, il y a chef de liste civil, pardon, il y a chef de l'État. On a un conseil à l'objet, il y a un salaire. Il y a un conseil à l'État, il y a un conseil à l'État, il y a un liste civil, il y a un salaire, il y a un le commun des mortels, il y a un salaire. Nous devons savoir ici. Tu es dissocier la personne de chef de l'État et l'institution président de la République. Et en tant que tel, le président de la République Azali ko incarné cette institution pendant que Azali en exercice comme président de la République. Et a recevoir ka ba dotation songolo pour na fonctionnement naïe. Mais il lui est difficile à accéder na yango mbalamoko. Pourquoi? Parce qu'il a une administration qui est gérée par celui qu'on appelle, un fonctionnaire bien entendu, qu'on appelle le directeur des cabinets, qui gère l'administration chef de l'État. Lorsque dans l'année discours du président de la République, je passais mon temps, yako yo kayango, bo permettre une expression, yako reyo kayango mbalami balé. Le président de la République n'a pas dit qu'il n'a pas un salaire. Seulement, il a dit que aye bien ngote. Ça sous-tend quoi? Tout est lingi kolobanine. Que jusque-là, l'administration, d'après ma compréhension, son administration n'a pas encore mis au point un mécanisme pour nous permettre de dissocier aux listes civiles. Il y a président de la République dans Mbongo, il y a dotation. Mais il a dit que Bazako calculé yango na landa qui est bien. Bazako calculé yango et d'ici peu, Batuba Koyeba, Oyoya gagna kaloko la salaire. Nazasir, na moi place ça, c'est un problème administratif. Voilà. Et vous allez résoudre dans le jour qui suit. Bokolim, Bissanga. Alors, c'est vrai que tu kolingate te copie ba mauvaise habitude. Par le passé, tout mon ami, tout kakokabola, manaba député, naba sénateur, les députés provinciaux, les gouverneurs, n'en parlons même pas. Et même des généraux. Bah, mi tout ka ebimaka et landaka ligne budgétaire.
il faut te dire que aujourd'hui naba oyo bazali ko travailler tilelo pona ko telemisa makambo moko songolo ya mboka moi encouragement moko esengeli ezala. Mais la question que tout le monde est en train de se poser ici est de savoir mitukawana et outi wapi origine ya mbongo nango eza ya nini et outi wapi. Le président de l'Assemblée nationale a l'obéli n'a donné un président de la République. Un député Aleki Eliezer en a parlé. Eliezer a l'obéli sur crédit. Allons directement. Jean-Jacques Mamba a l'obéli Oyaye. Nako senga eloko moko. Ke totikala. Na eloko oyo mokonzi mboka alobi puisque c'est lui qui dirige. Il a parlé des montages financiers. Si ko biso na yo, nangai na yo, toye ba na kokota na kat na ba recherche, toye ba ke veut dire montage financier et comment cela se fait. Très bien. Olimbi sanga pour la question, je préfère m'arrêter par là. Et la troisième question. Likambo ba pri. Likambo ba pri. Fait qu'azo continue au téléma. Ngai na discipline juridique na sali na. Na université de Kinshasa, na sali droit bien entendu, mais na sali discipline moko ya misa tu ezali droit catalyseur. Oye ya kokuta ba discipline moko mi balaise ala ki koregne. Donc droit ya misa tu ya ki kokota to discipline juridique ya misa tu ya ki kokota kombo nango droit économique et social, donc droit des affaires. Na yango pona kolongwa colline inspirée, j'avais écrit sur le petit commerce. Et na petit commerce, on a abordé pas mal, d'une manière générale, ba question au Itali, mombongo tope, commerce na kati yambo kanabiso etoye, ko souki sayango na koto Itali petit commerce. Papa, to rappele eloko moko, ke fek, ezali organisation étatique te, ezali fait privé. Et beaucoup, bazali ko kamba fek, bazali pe ba opérateur économique. Donc à la fois au kouta bango bazaba juge parti. Nous ne sommes pas dans la jungle, ndenga na yoka ki nde ko loba ki awa, ki toza na kati ya principe de l'offre et de la demande. Non. Makambutu ezali réglementé. Même les petits commerces ezali réglementé. Si les étrangers ou bien si les opérateurs économiques, parce que tout ça dans un système, il y a capitalisme, les opérateurs économiques doivent se gérer et qu'il n'y a pas un régulateur, il n'y a pas quelqu'un pour les diriger. Je vous dis que Mboka Oyo, na économie en Mboka Oyo, ça va s'apparenter à ce qu'on appelle la jungle. Pourquoi? Un régime est passé ici. Le travail que ce régime a eu à faire, c'était d'asphyxier toutes les entreprises publiques. Nakope, ça y est, moi, exemple, Mouken Deko, Israël. On a trait tous ali na on a trait holding tous ana on a trait na ba unité na de production tous ana ba port fluvial tous ana ba chemin de fer tous ana port en eau profonde et tout ça là et ça lit beaucoup ba unité ali ko kota mbongo na on a trait. Mais qu'est-ce qu'un quidam, l'un des quidam du régime passé ayaki alobi akoboma on a traité mais akosa la kaka asphyxie pour aboma yango azui aki a créé entreprise moko ka juste pena port ya matadi. A port, kuna makambo za kambango mbangu eza kontrole na motute. Et ce port là eza soutenu na batu lokola ba fait quoi. Il y a l'état ezali kokufa et quand ces gens là oyo bazali boko oyo bazali soutenir ou bazali ko soutenir fek baza koyoka ke mokonzi mboka azumi kanu songolo bakoki ko soutenir yango te puisque fek yango moko ezali ko tirer ba dividende to pe ba profit na yango na kati ya biloko wana. Nous devons éviter la jungle. Ce pays est géré par un président de la République et il y a un gouvernement et il y a un ministre de l'économie qui a entre autres na ba mission na ye koye ba ko réglementer ba structure ya ba prix et na ngina chité na koloba tout ça na opérateur économique mo so kutu ba ficha quand même prité. Si tu vas me permettre puisque je me porte garant ou bien na responsable na koloba so koti na city market a batika la ko affiché prité c'est toujours des codes et loko on appelle ali malamote. Très bien, merci. Oui ndeko Kabir.
Merci beaucoup, Neko Israël, na mituno tuni biso. Ngana obanda bongo na likambo ya fek, et puis na kosukisa na place obandaki. Alors, na makambo etali fek, ndenge ka mokonzi ya mboka utaki kolobango, lobi eza makambo ya bintere. Na kati ya fek, tobo sanite, PCA ya fek, Monsieur Yuma, Azabongo, l'actionnaire numéro 1 à entreprise égale, entreprise Wana et Sungakambo Kana Makambo Itali Alimentation. Alors, je ne vois pas comment Moutouloko la Monsieur Yuma Akoka Kozala pour ba mesure Oyo. Ministère et économie et Zouaki. Je ne vois pas en tout cas. En tout cas, et de plus en plus, Ndenge Tozo avancé dans Makambwango et Afek, et il y a aucune zone d'ombre de doute où ils ont démontré qu'il y a un conflit d'intérêt entre bah entrepreneurs et mais aussi na l'État. Alors, na yoki lisusu mukubwa nangai ndekopati ya lobike. L'État rôle na ezate ki a ko fixé ba prix. Eza bokote l'État aza régulateur ya marché. Donc rôle na ye ezali soki entrepreneur aye na mboka l'État abimiseli ba condition oyo biso to fonctionnaka sur le plan économique. Alors entrepreneur ne akotala atali soki a apprécié à investir na Congo soki a andimité a kenaye. Donc l'État azana droit azana mis sous l'icolo ya ba prix ya babiloko et pour na likambo yetali salaire mais salaire à mokonza mboka en tout cas pour nga la moni yango eza débat moko ezangatina hein vu que déjà na loi des finances to mona rabongo ezaka na ba prime o ba pesa kana na ba chef de corps tout. To yebi déjà na ba prime pesa laka mais aussi mukonza mboka a lobaki teke azwaka mbongo te mukonza mboka lobaki a yebinde montant oyo bafuta ka yete elingi kolakisa nini pona ngai mukonza mboka azali kosala musala moko ya ndenge autai kolobaki aza pre ya ko se sacrifier pona kimia na beni et c'est la même chose pona ye au Italie, bah salaire naie, bah perdième naie, pour naie et intéressé y est moins. Et l'autre chose qu'on intéressé, ma casse, c'est d'abord la vie ya peuple, sécurité nango, mais aussi Babylon connu so au peuple, si quoi de plus en plus, azokoma trop exigeant, liboso ya mokonzi mboka par rapport ya ba conduire ba utaki kolekawa. Mais nalingaki nazala na esengo mingi soki na monaki bandeko na biso awa bazali ko traiter même ba konjo yo balekaki hein ba sengaki bango ba brandir même ba salaire na bango ba sala ngo ata mokolo moko te pona mokonza mboka ya sikoyo nde ekomi to bandango ba débat to bosani kutu oza essentiel makambo ba carte wana ya plus de 100 individus oyo bazwara mbongo na kesi ya mboka aza libre aza lèse azata na qualité mon côté où ezako autoriser azo mbongo wana mais azo mbongo debe za wana debe za teke na ba salaire ya mokonza mboka deba eza lisusu na flou o tozo mona sur applicabilité ya ba mesure a chef o yazwaki o ezota la les mandataires makambo eza nde wana po ete ba mandataire wana mutu moko te abosani mutu moko te azoboya les rapports ya IGF na kati wana tukomona bongo na kozwa kaka exemple moko na PCO FPI to kenana na PCO voilà. FPI na kozwa kuna nazaki muteme swaki nga makasi natali conseiller ya mokonzi ya mboka monsieur Bilomba aye na plateau po na ko défendre ko bima avocat ya un mandataire o yaza incriminé na ba dossier nyoso ya mbongo kitebi azanga kate makambu nyoso ya mbongo de la carte visa projet bukanga lonzo ti okoya na makambo yo ya yemo kwa zo sala kuna lelo entreprise wana FPI eza ko saigner à blanc
balongoli les entreprises moko et pe ça ka crédit mais ba crédit za li souté komi bazoko bazako si mentionné batou et la qu'est-ce que soki ba pe si mbongo eza okozongisa ngo li souté. Le col exemple ça na mama mama mokonzi ada moi si a dirka bia mokonza mboka kala mama Amida ye azwaka 4 millions non remboursables. Donc biloko ezo sala mana entreprise wana yango wana mikolo wana biloko wana za na ba preuve na za nango j'ai des documents oya boyango aye na ko pesa e ba documents parce que les propos tenus n'engagent que toi na za na ba documents na za nango entreprise wana elongwe na makambo ya de crédit et komine ko pesa batu ba mbongo oyo ba kozongisa te na kosukisa lisusu kaka na kati ya entreprise wana okomona mutulo ba utayi ko sala mission awa na Kasai FPI mutu signé ba accord na Egypte eza individité conseil ya mokonzi ya mboka za mutu ya kolobake pona ye soki balongoli comité o eza sikoyo ya entreprise wana bakochango na donc entreprise wana ekotombe eza la kate avant ye ayawana bato pe bazalaki wana balekaki bakendaki les individus passent oui très bien pe soki akeyi pe ba misusu pe bakoya bako na kosukisa na kosukisa na o etali IGF kaka a propos ya FPI IGF aza credible a déposé le biso rapport o ezo lakisa noir sur blanc na kati ya entreprise wana batu bazo kabola mbongo lwa nguba eza na groupe ya bendividi moko boye bazwaka ba avantage moko uniquement pona bango groupe mususu bazwaka ngote c'est pourquoi na kosenga na mokonja mboka alanda oyo conseiller na ye oyo alekaki na media te pona koloba acha merci comité wana liboso ya bajuzi kakata makambo wana tozana besoin merci. Mona Claire merci beaucoup ouf. Obitez-vous dans la macambo. Bon, mon arabe, on a vu la TV, mais on a vu la macambo. On a vu la macambo, on a vu la macambo, on a vu la macambo, on a vu la macambo. Mais les propos tenus n'engagent que son auteur. Si moi je parle de mes trucs, ça n'engage que moi. Mon tour pas, Monica Pessi information, s'il a su qu'il a des responsabilités, ça c'est son problème. Alors, vous allez suivre tour à tour ma déclaration à chef de l'État, Tozongawa, pour te brosser à Souka, avant tout qu'il y ait peut-être un. Tant il y a loi organique, si le temps va nous permettre. Le chef de l'État, à Goma, sur son salaire, il s'est prononcé là-dessus, Boutou Okango. Interview à chef de l'État, à Goma, sur la corruption. Interview à chef de l'État, sur son ex-directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Et puis, on va prendre un message de Lixin Rouli Bell à la date du 61e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Ces quatre éléments, ils ont un amiqué. Tout ça, vous avez cette fois-là, Toko Tassikoyo, Likambouya Vital Kamerhe. Je pense qu'il faut qu'on en parle parce que le CFR est fini sur ça. Est-ce qu'il y a-t-il contradiction? S'il y a aussi à balayer par rapport à tout ce qui a été dit dans le premier tour à table, si vous avez des choses à corriger, il faut corriger. Anima, ces trois éléments se retrouvent après pour continuer. Vous aviez promis de dire, une fois arrivé au pouvoir, quel est le salaire du président. Alors je vous la pose, si vous êtes en mesure de nous répondre, oui. Vous voulez que je vous parle très sincèrement avec mon cœur? Oui, monsieur le président. Je ne connais pas mon salaire. Je vous le dis très sincèrement. Je suis incapable de vous dire combien je touche. Parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne touche pas des masses, ça ne m'intéresse pas. Et le peu qui me reste quand je reviens de voyage et tout, je fais beaucoup de choses que je ne veux même pas évoquer ici. Parce que moi, je crois que, comme on le dit dans la Bible, lorsque la main droite donne, la gauche doit ignorer. Mon salaire ne m'intéresse même pas. Mais je sais qu'il n'est pas exorbitant. Et d'ailleurs, ça me donne l'occasion, peut-être le passage ici, pour dire exactement, je suis pour que l'on baisse le train de vie de l'État. Et en ce moment, d'ailleurs, j'ai donné des instructions. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du budget. On est en train de travailler très sérieusement à cela. Et à ce moment-là, je reviendrai pour vous dire exactement
au centime près du franc congolais. À la faveur du 30 juin, vous avez eu accordé des grâces à certains prisonniers, notamment ceux du procès de Sanjo. Cette année, vous comptez répéter ça? Oui, oui, bien sûr, mais j'attends les propositions. C'est la ministre de la Justice qui doit me les faire. Je ne connais pas tous les cas. C'est elle, la spécialiste, c'est elle qui me les transmettra. Puisqu'on parle de certains cas. Oui, certains cas, justement, il y en a d'autres comme Vital Kamerhe. Il peut espérer obtenir une mesure de grâce de votre part. Vous pensez que c'est ici que je vais répondre à cette question? Vital Kamerhe, c'est mon frère. Je suis totalement désolé de ce qui lui arrive, affecté aussi. Je ne l'ai pas voulu, contrairement à certains dires mal intentionnés. Je ne l'ai pas voulu. Dès le départ de cette affaire, je vous rappelle d'ailleurs, c'est au sein d'un conseil de ministres que j'étais parti à l'époque du Premier ministre Ilunga Ilunkamba. C'est lui d'ailleurs qui avait sorti le problème ouvertement en séance. Puis le ministre de la Justice de l'époque a renchéri en disant, Monsieur le Président, ce que vient de dire le Premier ministre ne vaut même pas une instruction de votre part. Dès demain, je saisis la justice. Ce jour-là, ce conseil n'avait pas été couvert par mon directeur de cabinet habituel, c'est-à-dire Vital Kamerhe, mais c'était un de ses adjoints. Et donc, après, je l'ai fait venir, je lui ai posé la question. J'ai dit, tiens, mais on a parlé des fameuses maisons qu'on a à construire dans ce programme des 100 jours. Est-ce que c'est notre affaire? Il a dit non, c'est pas notre affaire. Il dit bon, ça va. Donc, que la justice fasse son travail. Et malheureusement, de fil en aiguille, on en est arrivé là. Ce que je peux accepter comme reproche, c'est que on me condamne de ne pas avoir donné des injonctions à la justice pour qu'elle fasse pas son travail et que lui ne se retrouve pas dans cette situation. Mais alors, dans ce cas, qu'on me dise qu'est-ce que j'aurais fait de mes principes alors, qui sont de laisser la justice libre de faire son travail. Il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir. C'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée. Mais je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point. Aussi prédateurs. Parce que bon, je me souviens à l'époque du maréchal, du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible, cette corruption. Je vous donne juste un exemple, la justice. J'ai fait des réformes. J'ai mis de nouvelles personnes, enfin, que j'ai trouvées, mais bon, en se renseignant, voilà, j'avais des preuves de leur probité, etc. Je ne dis pas, je ne les remets pas en cause, mais je dis, je pensais que elles allaient m'aider à impulser une nouvelle dynamique au sein de la justice pour la rendre vraiment ce moteur de l'état de droit, ce pilier de l'état de droit que j'attends. Très cher président, transformons s'il vous plaît la République démocratique du Congo. L'homme est né pour le bonheur et pour la liberté. Mais en RDC, il est malheureux, esclave de ses propres fils dits politiciens. Une nation a pour but la conservation des droits et la perfection de l'être. Mais partout en RDC, le pays continue de dégrader et d'opprimer. Le temps est arrivé de nous rappeler notre véritable destinée qui est le progrès de la raison congolaise. Et c'est à vous,
cher président, qui est spécialement imposé le devoir de l'accélérer. Car jusqu'ici, l'art de gouverner en République démocratique du Congo n'a été que déplié à servir le grand nombre au profit d'une minorité. Il a la législation, le moyen d'ériger cette sorcellerie en système. Très cher président, prière de poser la question à tous ces politiciens et cadres des institutions et services publics, exécutifs, législatifs, judiciaires et d'autres services de l'État qui vous entourent. Qu'ont-ils fait de la RDC depuis 30 juin 1960? Ces pays qui avaient les mêmes objectifs économiques que la Chine, le Canada, le Brésil ou la Turquie. Que nous ont-ils légué? Un système honteux, déséquilibré et mafieux de gouvernance, où règne le pillage, l'égoïsme, le détournement et la corruption. Nous savons, très cher président, que vous avez hérité d'un pays humilié, dépourvu de tout, muselé et enterré par celle même qui était chargée de le protéger et le faire fleurir. Mais en prenant les choses, vous saviez désormais que tout repose sur vous et que l'histoire ne vous pardonnera pas l'échec. Acceptez donc ici que nous puissions vous présenter spécialement notre consternation et incompréhension sur votre gestion des fonds publics, qui malheureusement nous ravive les années Kabila. Depuis notre indépendance, la gestion du pays a brillé par des vols, corruption, dilapidation, spoliation, détournement des deniers publics, affectation des ressources de l'État à des fins privées et politiques. Sur ce, nous vous rappelons très cher président que la RDC qui présentait le même budget que le Nigeria il y a 30 ans est aujourd'hui la dernière économie de sa région, dont plus de 80% de sa population est incapable de satisfaire ne fût-ce que ses besoins. Très bien, merci beaucoup. Ah, ngai magamamboko. Bon, on va terminer. Vous avez encore chacun 4 minutes pour terminer. Je pense que pour la loi de la CENI, on n'en parle pas aujourd'hui parce que discours à chef de l'été, Zozobi, ce temps est bêlé. On va revenir, je vais encore vous convoquer peut-être le lundi pour le même travail, comme je l'ai fait pour les autres aussi. Bah, on va guider deuxième jour. Il n'y a pas de souci. On va en parler. Alors, deux dossiers. Toujours président de la République. Quand j'avais parlé ici, je vous rappelle, dans le bar, on a bien longtemps, on a autre chose au vaccin, même avant. C'est bien, on a eu le vaccin à Congo, à Kinshasa. Jusqu'à ce que on a conduit à Libosso. Pourtant, on a à la fin de l'année dans l'entreprise, on a conduit à Libosso. Tant que on a conduit à la généraux, on a un chef d'État, on a un chef de corps, on a un excellence, on a un chef, on a un directeur, il y a un programme, tout ça. Alors, à Wasoki, on a une entreprise. Bazo privilégier ba directeur à programme. Pourquoi pas privilégier aussi na cadre à vaccin ba on peut babal. Na lobaka yango. Quand je dis les gens m'ont appelé Israël, makamba vaccin, ozo sa la campagne contre le vaccin. Le chef de l'État a dit plus que moi. Yango ngai la kenda ko zo vaccin na Brazzaville. Des passages tant on a commis na Brazza na pointe noire na juste Sputnik ya ba russe. AstraZeneca oyo ndenge na monaki na ndoto. Nandoto. Moudjahidin, le chef lui-même met en cause ce vaccin. Le président déclare ce qui suit. Je crois que j'ai eu raison de ne pas me faire vacciner. Je n'ai pas eu tort en parlant d'AstraZeneca. Il y a un problème avec ce vaccin. Vital Kamerhe. Et non seulement quelqu'un de sérieux, de correct, mais en plus quelqu'un dont la République a besoin, grâce à son intelligence. Oh, j'aime, my. Grâce à son expérience, je suis convaincu qu'il jouera à nouveau un rôle dans ce pays. Quelle analyse vous faites, Mokondi Mboka, qui lave Vital Kamerhe, qui parle, qui prépare même une campagne. Voici. L'agneau, vous avez 4 minutes. Nali na mawa mingi. Et surtout, makambo oto komona lelo, contrairement na makambo oto yoka, oyo ba Congolais ba mona, ba tuboni ba kufa, ba bisa transko boni ba tumba.
Bando kwa boni boni ya batu boni ya tumbama. Le kolo a état de droit. Na oki inde korik. Alubi eloko moko a ok no. C'est l'administration ya présidence. Non. Ba kongole ba yeba. Na ibi ke batu ebele ba ngasus kotanga constitution te. Constitution ya ngoyo. O batu ebele ba koufa. État de droit. Respect de la constitution. Article 89. Les émoluments et la liste civile. Tu vois qu'en français, on a les émoluments et, conjonction, la liste civile du président de la République sont fixés par la loi des finances. Les émoluments et l'ingi Kolobanini et Zali Salaire, il y a yo, yo Zali Mokonzi, il y a Bosolo. Bien que Oza Mokonzi, il y a Bosolo. Tu as, en tant que 2G, tu as un salaire. Il y a qu'on confonde tes frais de fonctionnement, il y a direction générale. Mais encourageons aussi, reconnaissons, oui. Donc, quand tu as Kabila Kendaki, Afbafoutaki, au moins, il perd. Je demande au procureur général près de la Cour de cassation. Mais voilà une autre information judiciaire. 2 ans. 6 mois, Oyo, Ndeko, gérant Antoine Ali Kofuta Hyperté. Ça s'appelle fraude fiscale. Ce qui doit être moka. Donald Trump a été poursuivi pour ça. Fraude hyper et Ali mensuel. Bien que impôt, mais c'est mensuel. Avant, et comme tu es panayo, on te retient ça à la source. Mais confondre liste civile et les émoluments, non. J'ai dit non. Tout est le maman congolais. Il y a une mission, la mission congolais. Comment confondre les émoluments et la liste civile? Salaire aussi. Et comment n'y a pas directeur de cabinet? Et il y a un compte dans mon corps. Tout ça le distingue. Il y a une balle. Il faut qu'on foute un peu. Mais état de droit, bon, pour le bien, il y a état de droit, il y a un bikanga kanga. Non, état de droit, il y a un peu. Fout un peu. Et t'es dans le Ndekonani, comment on a Ndeko? Excusez-moi. Marquez. Il faut avoir la bonne info. D'ailleurs, Egal a écrit aussi. Egal n'est pas d'accord avec FEC. Il faut avoir la bonne information. Egal n'est pas d'accord avec la FEC. Ça, c'est en 2018. Il n'est pas d'accord avec la FEC. Alors, pour évoluer, Makambo Vital Kamere. Moi, ça ne me surprend pas. Moi, j'étais. Na Otoyo Kaka, pour dire qu'il y a le coûté na calomnie. Mais dès lors qu'on a suivi les procès, mon frère, non, il y avait tout sauf les droits. Moi, j'ai 2 simples questions. Quel est l'élément matériel? Parce que pour qu'il y ait une infraction, il faut la réunion des 3 éléments. L'élément matériel, l'élément moral et l'élément légal. Quel est l'élément matériel? C'est-à-dire, Balobanaba Congolais, montant Nini, on de caméra détournée. Montant. On parle de 57 millions. Jamal reconnaît avoir pris 57 millions. Il y a des cartons là-bas. Quand bien même vous avez préféré aller acheter des cartons là-bas. Au moment où, quand Tchatch allait entourer la fleuve, on a zélo y aller. Mabanga y aller. Mais vous avez abandonné ça. Vous avez préféré aller acheter des cartons en Turquie. Mais qu'on nous dise le montant, l'élément matériel, on de koyomo quoi détourner. C'est combien? C'est méchant. Inhumain. Je me rappelle ce que le grand maître Kalomo Manga nous disait. Les amis, évitez de condamner un innocent. Et là où il y a doute, on ne condamne pas. Mais pour des raisons politiciennes, on préfère garder un père de famille. Tout passe, tout coule. Après avoir suivi le chef de l'État à ce stade ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Kamere doit être relâché. La République doit s'excuser auprès des Camerounais comme la CPI l'a fait 10 ans finalement pour le cas de Bemba. Bagbo qui sera d'ailleurs invité de Bemba dans les jours à venir, ce que j'aurais appris. Je ne sais pas si l'information sera confirmée. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faudra revenir? Parce que Bandako, mais moi j'étais en Bujima, j'avais vu des maisons, j'étais à Dar es Salaam. Alors, quel est le montant de tournée? S'il y a déjà quelques cartons au camp Tchatch. Que Antoine même a reconnu quand il a fait la descente, il a dit que ah, c'est beau, il faut qu'on rajoute.
Alors, quel est le montant détourné par l'individu Kamer? Très bien. Alors, vaccin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vaccin. Oh, je me suis tenté de me poser la question. Antoine est-il entouré de qui? Si ça vient d'un chef de l'État, celui qui est censé mieux être informé avant vaccin quota. Mais comme il avait les informations que vaccin et il y a une vraiment sérieuse. Mais néanmoins, à Tikiba, passe à mon peuple, oh yaye. Ça, c'est Eteni qui est allé prendre. S'il vous plaît, non, ce n'est pas Eteni. Mais lui-même vous dit, Antoine, gérant ya Congo, les mieux informés. Azaki n'a pas doute, mais néanmoins, il a accepté que. Ba Congolais, ba pesa bango, o nyo se kome la bango, mitali yete. Est-ce que vous comprendre? Ngaï, n'a que ça doute te, n'a tika nanou, ba msusu wana, bi bwele, ba koufa, ba zwa maladi, o nyo se kome la bango, total ango na sima. Mais entre temps, ce sont des propos gravissimes pour un chef de l'État. C'est-à-dire, vous avez les informations sur la non-sériosité du vaccin. Mais vous acceptez que les Congolais qu'on les administre. Et le peuple d'abord. Très bien. Maître Pati, très rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Il faut aussi savoir respecter la fonction. J'ai entendu ici, vite fait, pour en corriger. Si on n'a pas la bonne information, je pense qu'il fallait prendre la bonne information. Il n'y a aucune économie administrée au monde aujourd'hui. Il n'y a aucun gouvernement qui fixe les prix sur les marchés. Les marchés sont la résultance de la loi de l'offre et de la demande. Je suis désolé, sur l'économie, on parle de régulateurs. L'État régule 4 produits sur le marché. L'État fixe le prix de l'essence, l'État fixe le prix de l'eau, l'État fixe le prix de l'électricité, et puis il y a un dernier produit où l'État, selon la loi au Congo. Les restes éthiques, ils allient libre administration du marché en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Et le gouvernement n'a aucun intérêt de rentrer en conflit avec les syndicats des entrepreneurs, donc la FEC. Parce que c'est la FEC qui commande. On veut baisser le prix. Je veux comprendre. Bah, on va baisser le prix à Nîmes. On va commander les produits alimentaires en haut. Mais on sera limité parce que. À la Banque centrale, notre réserve aujourd'hui, c'est à peu près 2 semaines. Est-ce qu'on va produire? Je pense que la meilleure façon, le Congo doit impulser la machine de production nationale. Local. Lorsque nous aurons produit suffisamment, les prix sur les marchés baisseront de même. Ça, c'est l'économie basique. Très bien. Bon, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Ce que le président de la République dit, ça ne m'étonne pas. Parce qu'il nous l'a déjà dit. Parce qu'il dit, le président, il ne maintiendra pas rigueur. Il a reçu la délégation de l'UNC alliée pendant les consultations nationales. Monsieur Zalingal. Le président de la République a tenu avec les mêmes propos. Vital Kamerhe est correct. Vital Kamerhe est sérieux. Vital Kamerhe a encore un rôle important à jouer dans ce pays. Tant qu'on va recevoir Abisho Tobimi, ce qui m'est venu à l'esprit. Et le président me pardonnera parce que je suis quelqu'un qui n'a pas la langue dans ma poche. Comment peut-on accepter que on ait inventé une infraction sui generis qui n'existait pas, les détournements intelligents, pour condamner... Détournement intellectuel. Détournement intellectuel. Pour condamner quelqu'un et ceux qui ont inventé... Ceux qui ont inventé... Cette infraction sui generis qui n'existe ni dans notre droit, ni dans le code pénal, ni dans la procédure pénale, ont tous été remerciés, ont tous été promus, dont un est aujourd'hui à la présidence de la Cour constitutionnelle. Alors que cette infraction n'existe ni dans le droit positif, n'existe ni dans notre procédure, ni dans notre code pénal. Donc, Vital Kamerhe aujourd'hui l'innocent, tout le monde reconnaît qu'il est victime d'une injustice. Le problème, ce n'est pas le président de la République, puisqu'il reconnaît qu'il n'y a pas de problème à la justice. Le problème de la justice, le président de la République dit, c'est le premier ministre Ilunga qui a amené les dossiers, il a embarqué l'ancien président et ministre de la justice, Ndayaka Senda, et on a monté l'affaire.
pour mettre un innocent en prison, alors que le droit dit, lorsqu'il y a doute, il vaudrait mieux, d'ailleurs, un coupable en liberté, plutôt qu'un innocent en prison. Vital Kamerhe est aujourd'hui malade. Si jamais l'irréparable est arrivé, dites-moi, qui emporterait la responsabilité? Les autres. Donc, ça veut dire que c'est gravissime ce que nous vivons aujourd'hui dans le cas de Vital Kamerhe. Au Congo. Le Congo n'aura rien à perdre si aujourd'hui, le Congo dit oui, il y a eu erreur judiciaire. On l'a vu pour Gbagbo, à la Cour pénale, pour Mbemba, à la Cour pénale internationale, pour le président Gbagbo, et on a vu ça pour d'autres personnes, Blé Goudé. Le Congo ne perdra rien de dire aujourd'hui le droit et non la politique, de dire que oui, Vital Kamerhe a été victime d'une erreur judiciaire et le Congo doit le réparer. Vaccin. Ah, vaccin. Et comment on va au Seca? Ça veut dire que le vaccin vous a discrédité? Si on vous a dit que vous avez dit que la paix, vous avez dit que vous vaccin, non, ça veut dire que vous avez dit que vous avez dit la clinique. Ils avaient la clinique, ou bien ils n'ont pas Bassango dans Saint-Joseph. Je pense que la clinique, c'était la clinique. Bah non, ça va être Mokonzi Aroya, le premier Mokonzi, le deuxième, et vous avez premier ministre. Chef Azalara empêché pour autre chose. Le chef de l'État était empêché. Ok. Mais mon appel, c'est le chef de l'État empêché, mais le premier ministre n'est pas yaté. Mais oui, il y avait une activité officielle. Bon, Longondo, qui était ministre de la Santé. Il y a Longondo qui a habité. Mais je sais que le président et le premier ministre, tous, ils étaient dans une activité officielle. AstraZeneca. Les lois bannir, on a bambou, il y a monde, hein. AstraZeneca, on a mis de côté. Ah, c'est quoi au bateau, besoin d'AstraZeneca, ah ouais. Vous imaginez ce qui se passe dans leur tête en ce moment. Le roi, il y a moi, on lui, il y a la confiance à AstraZeneca. C'est quoi, tu as dit 1 600 000 doses. 1 300 000 doses pour lui. Doses à 5 millions et Zoya. Et ça, c'est quoi, Yannini? AstraZeneca, toi, Yannini. On saura. Parce que Marc Aho, tu as évité ce que vous avez. Ah. Bah, il a besoin de Rissou. Il y a Rissou. Et Afrique du Sud, il y a des Européens, des Américains. Afrique du Sud, comment ça a produit en Afrique? Très bien. Là, on sera sûr que Bande de Renaissance africaine, Barbo Mabi souhaité. Très bien, merci. Oui, maître. Très rapidement, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. J'ai mes 4 minutes, j'espère. Si, allez-y. Oui, merci beaucoup. Nako Bandela Ming et la question à vaccin. C'est vrai, Nayoki, ba intervention à Bande Konabiso, Bazali Koloba, les discours du président de la République, surtout sa façon d'aborder cette question. Il faut te rappeler, Lokomoko, que la maladie, il y a Covid, et la maladie, Moko Kobi Manayango, même les plus grands scientifiques du monde, Vatican, ils ont maîtrisé Yangote. Sans nul doute, Bissonion Sotomoni, combien États-Unis a tindi dans le cimetière? Plus de 650 000. Ceux qui te côté dans l'Inde, dans la Chine, n'en parlons pas. Et vous comprendrez même que, par exemple, en France, j'ai un ami qui est médecin là-bas, qui m'a dit que les erreurs qu'il commettait, par moment, il donnait des médicaments, ils avaient comme ma coagulation et ma kila. Tout le vaccin, balancé sur le marché, et 8 ans, il y a processus, il y a maturation, donc pas dans le essai clinique, il y a 8 ans, il y a un côté, puisque d'une part, fabrication, il y a vaccin Ezali. De l'autre part, maladie Ezako ravagée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on respecte Tawana. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le monde entier est bouleversé. Ezaka ka RDCT. Ce n'est pas seulement le président de la République. Nde Moutouaza bouleversé tout Azali ko émettre. Badout sur Eloko Babengi, vaccin AstraZeneca. Soki. Le fait que le président de la République a déclaré qu'il y a Zalek qui a douté Nayango, c'est aussi, et le comment bien a mis prudence, puisque les gens qui n'ont pas douté, oh, bah, tiki yango ekende, bah, commettre pe, bah, moi, bah, erreur rebelle. Toza na katia économie mondiale de l'eau, ma kambobo n'y a Zalek qui a le kana à travers le monde, qu'est-ce qui se passe et tout ça? Donc, Koboya, ce qui est créé problème, Koboya, ce qui est créé problème. Donc, le président de la République a laissé cette question. Naba technicien Oyo Bazali Bongo, Task Force Oya Tiaki Mouyembe et Longondo, Oba Kine Komeme Labiso AstraZeneca. Pour la question, il y a vaccin. Wana. Na Pasaki, où j'ai passé régulièrement dans la chaîne Moko Numérica avec Ndeko Kuzekisa régulièrement. J'avais martelé que Nzoto Yanga Eric Bamanaï. Atanandoto, AstraZeneca et Koko Tangaïte.
Alors lelo na moni ke tango mokonzi ya mboka lo di ke a émettre ba doute pona yango nga na koki ko sukaka na ko ba ke merci puisque le président de la République a rejoint de ba position o ya biso baye. Pona question ya vaccin na suki wana. Question italienne ko le Vital Kamerhe. Si l'Isambang ponde quoi zo to sisi. Na yo ki président de la République a émettre beaucoup de réserves mais en revenant na ko lobelo ko moko ke ndeko Kamerhe azasserie c'est non honnête la nation aura besoin de lui. Na ko préféré na zwa ba déclaration à président de la République et komayangai. Mais na ko rappeler lo ko moko ndeko. Na yo ki ndeko pati ko ko tele misango wa. Soko landi ba infraction ba bengi ya détournement public. Il y a détournement d'abord et existaka. Mais ici les professeurs Kalouba aujourd'hui président ya cour constitutionnelle n'a pas dit que infraction je m'excuse Boli Misanga. Il y a infraction intellectuelle ou des intellectuels existent. Mais il a dit ceci. Infraction à détournement ezali infraction ya ba intellectuel. Ça veut dire quoi? Moussen Zignon soto mutazanga mayelete akoko sala détournement te mutu nyonso ko yiba o ba bengi vol simple. Mais détournement pour au sala détournement papa. Faut avoir la tête. Il faut avoir la tête ezana ba chef d'orchestre na kati. Il y a des auteurs ba mona na kati. Baza ko commander ko téléguider ba baza ko agir sur le terrain baza ba misusu. Mais grand muyibi avant déjà ko sala makambo na ye. O yazana Mathieu ya koyoka ayoka. O yazana miso ya ko mona amona. La nabino. Très bien. Oui, Ndeko, c'est ça. Merci, Samo. Allez-y. Allez-y, papa, c'est ça, Tokine. Alors, Ndeko, Bilomba, tant que les kaki na. Ozongi sou na Ndeko Bilomba. Ozongi sou na Ndeko Bilomba. Ozongi sou na Ndeko Bilomba. Allez à l'essentiel. Le temps, allez à l'essentiel. Alors, que, yé, avoir jaki na compte ya présidence, azwa ki. Document na eo epe sa ki ndingi sa yako kende mission kuna me. Natanga ki yamo. Me fre ya mission ebi ma ki na konti ya FPI. FPI. I na pa niye sa. Na nina komprendre na mwayen nini ebi ma ki wana. E pui soke ebi ma ki kuna. Ala tsabiso na mukanda o ya zanango o epe sa ki mission. A kende kuna plas nini. Bako ma ki ke fre de mission ifo di ma na konti ya. Ezali natanga ki. S'il vous plaît. S'il vous plaît. E longo na zo konsebo landa rapere moko. Nazana emission mobima na sala ginae les alliés en ligne ko bangate Bilomba a répondu à cette question avec une lettre j'ai lu moi ezate batangeli ngande na tangi lettre place ba komi que prise en charge à voyage wana FPI nda ko zoya baza trois personnes bazana kateza Bilomba te lettre ezali soza na mo besoin na opesa te na tangi Bilomba po ete yende mutu aleka e baza trois na tangi ye po ye mutu aleka ki loko la avocat FPI loko la avocat ya comité ya FPI mutu fois wa charge na zala lettre oui ngai na tangi yango te eza malamu mingi so te difesili opesa nga pe yango na tanga na yango eza malamu me na entourage ya mokonzi mokonzi ondire bakoti bakoti na kati ya poche na entourage na ye. Ezana makambo ebele ti lelo nanu esalamite. Makambo ya ba mandatero depuis le 24 ti lelo eloko moko ezo ningana ezate. Tozana bezwe to mona clair Ndeko Bilomba abimisa Ndeko komite ya FPI babimisa nanu Ndeko Bilomba na kati ya poche oyo bacheye po a influencer mokonzi po ba maintenir komite wana eza alors que komite oyo eza en place wana baza akize na ba détournement ya ndenge belé na nyonso etali mbongo ba kombo na bango ezoza ngate na kati entre autres DG Kitebi. Alors na kosukisa na makambo ya vaccin na o etali ne vaccin ngai na utei koleka na émission moko boye na pesa kilikanisi ete l'état a mekako indemniser batu o deja bazwi ba vaccin wana po ete au départ DG zayi ko produire déjà ba effet moko ya malamu te na banzoto abatu depuis Europe ti awa ndenge komaki mais lokola déjà batu musu bazwa ki ango moko nzamboka andimi ke eza bien te pona batu en tout cas na ndenge moko a bien ba indemniser batu o déjà bazwa ki ango po lobi bakoki pe ko perdre vie na très bien. Alors nous avons fini, je vais lire quelques communiqués. L'équipe ici, nous allons nous organiser pour que vous reveniez encore le lundi pour le même plaisir. Alors je vais lire d'abord un communiqué des vies éternelles. Attends à moi, ma yebisi. Ce qui m'a dit, c'est comme une souka,
communiqué de vie éternelle. Le professeur Bobo Kabungu et sa sœur, le docteur Fatou Mwaluke, ainsi que leur famille biologique et professionnelle, joignent leur voix à celle des anges qui célèbrent depuis les premiers rayons de soleil cette journée commémorative de l'indépendance, la fin heureuse du pèlerinage de Madame Charlotte Kabungu Nsimire, ancienne de l'Université Louvagnum, retraitée de la Banque centrale du Congo et servante de Dieu sur la terre. Ses proches retiendront d'elle 70 ans d'abnégation pour l'intérêt général, de générosité au profit de son prochain et de dévouement au service de l'Évangile. Il remercie toutes celles et tous ceux qui l'ont accompagné par leurs prières et leurs sollicitudes, particulièrement durant les dernières heures de sa course empreinte d'émotion et pour laquelle une couronne de gloire lui sera décernée pour avoir gardé la foi. Les programmes des obsèques prévus pour ce samedi 3 juillet 2021 à la clinique innoise et voulu orienter vers la joie de l'assurance de la résurrection des élus se présentent comme suite. Accueil 9h juste 9h05, mot de bienveillance, de prière, d'ouverture de 9h05 à 9h10, oraison funèbre de 9h10 à 9h15, témoignage famille BCC, corps du Christ, 9h15 à 9h30, dépôt des jarres de fleurs, 9h30, 9h45, exhortation, 9h45, 9h55, sortie 9h55, 10h juste, départ pour Kimberley, 10h10, baie des consolations, 14h juste, à Queen Poulet sur au commandement. À Bukavu et à Goma, les familles pourront se réunir respectivement chez Namushala et Nyawira, chez M. Muhindo, à Imbi, ailleurs, et les autres garderont une minute de silence pour honorer la vie de leur mère, sœur, tante, grand-mère et belle-mère fait à Kinshasa le 30 juin 2021. Deux anniversaires pour terminer. Joyeux anniversaire à Bernard Eric Mbambi, à Zamolandi, à Bosolo, la politique aussi. Eric Bernard Mbambi, joyeux anniversaire, va de l'avant, longévité, prospérité et bonheur, mon frère, que Dieu te bénisse. Vivez encore longtemps. Encore une fois, joyeux anniversaire à Stéphie Moley de la part de Madame Chemila Moley Katundi Tata Mwasi Abana. Hein, Bapesio, joyeux anniversaire, Stéphie Moley. Motoatindi yango Madame Chemila Moley Katundi Wazali Tata Mwasi Abana. Salio, surprise. Mokonzi Amboka, ako gracie batu. Na cadre à les 30 juin, moko alobi yango. Je me souviens, na mwasi, ya Hérode, atindi mwa na nana lobi, bina papa no lingaka mingo bina. Soko bini, loko la papa zo sepe, la senga papa eloko yo lingi. A senga yo motu ya Jean-Baptiste, malheureusement, papa honoraka maloba, bakata Jean-Baptiste. On se rejouit pas, mais il faut nazo exemple wana. Mokonzi amboka ye moko alobi na ko gracie batu, ma condition ministre de la justice, asala musala, soko apesika bakombo bakayenda yebi, ngai, tako signe na ngai. Mama ya justice, ngai pe na zako senga yo na makambo nyoso nga na saka po na mboko, na bunde la mboko yo, batu ba yo kaka ngai, na kusala musalo, musala ya apostola ya biso basango, bafuta ka biso teto kusala ngo ya pamu. Na sengi yo na batu yo kubimisa, yo kama wa, plus blanc que la neige, na sengi yo ministre, bimise la ngai, journaliste moko cheri mukelekel, azali na ndolo alors kazali civil, bope sa ye, mesure ya grâce wana abima. Barnabé a fait mbouma a oumeli na prison moninga se comporté malamu azoka 3 ans ce qui est ali possible mwana na moto boyo kela emawa Barnabé abima et ça yo ki leçon moi si na bana batikali na passe. Henri Magi a komi pasteur na prison aza na bible amune na zote boyo kela emawa abima et ça ndimi Félix Tshisekedi ndé président et ça ndimi Bobi miselanga rimaji. Masaro gombetika li polele mon frère. Bobi misape Masaro. Blanc, plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Bouye imala mouna Sarah, application ya Afriland First Bank et salina téléphone. Sale la misolo na yo na tango nyo solingi. Na Sarah Banking, ezande bank na chombo na yo. Tindambongo na yo na bokengeli nyo so ata ufandi nandako. Consultez solde na yo,
landela ba crédit na yo, sala ba virement bancaire, senga cheke na yo, topé tout na motuna pona kokoso ya lolenge nyonso. Elongo na Saramani, biso nyonso to koti masolo ya banque na tchombo na pete nyonso. Afrilen First Bank a komise libiso li benga na ye na téléphone. Ata oza na compte bancaire te, sale la mbongo na yo na téléphone na yo na kimia nyonso. Na lisungi ya Saramani, okoki ko tinda pe kozwa misolo, kosomba crédit na yo ya communication, kofuta mbongo ya biloko zombi, tembe sili. Kende na lombango ko télécharger application na yo Sara ya Bank Afriland na Google Play to App Store. Pe ki mambango na agence Afriland ou ezwami pene pene sika ofandi po ba active le yo Sara. Sara, Bank Nabiso et Longo Nabiso Bipay Binson. Afriland First Bank. The Pact. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique.